C'est un peu compliqué, donc je pense que peut-être on va jouer autrement avec ce ballon. On va trouver une solution, mais on va faire autre chose. C'est un symptôme. Allez, Loulou, ça y est, vous avez laissé tomber le ballon? Oui, il était trop puissant. Il y a trop de vent. Et oui, alors c'est super difficile de jouer avec un ballon aussi gros avec du vent. Alors on va passer à un jeu beaucoup plus facile qui est comme le Wet Head. Donc, Joker Soccer. C'est ce jeu, le Joker Soccer. Donc c'est le fameux jeu avec un casque et de l'eau sur la tête. Alors chacun leur tour, ben, les enfants, vous allez devoir tourner une petite roulette, tirer un petit clou. Et celui qui a la chance de tomber sur un clou, ben, on va dire neutre, ne sera pas arrosé. Mais celui qui tire un clou, qui va ouvrir la petite trappe, ben, sera arrosé. Oui, et en fait, par exemple, on peut faire deux piques, ou essayer dont tu passes autour, ou essayer dont tu échanges de sens, ou essayer dont tu tires un pic et tu rejoins. Bah merci Loulou, bah. Merci, bah voilà, super, comme ça il nous a tout expliqué. Alors par contre les Loulous, on va jouer par élimination, donc c'est-à-dire que il y aura qu'un seul gagnant en fait, il y aura un seul survivor, c'est celui qui ne sera pas arrosé, donc à chaque fois que quelqu'un sera arrosé, eh bien, il va être éliminé. C'est comme si on se versait de la lave sur la tête. Ouais, bah, sauf que c'est de l'eau là. Ouais. D'ailleurs, petite précision, les Loulous sont tout secs, donc on repart à zéro, ils sont pas mouillés, donc là ils seront vraiment mouillés pour de bon. Ils ne trichent pas. Alors on y va, on commence par qui? Le maillot de bain, c'est pas la tête. Alors par qui on commence, les Loulous? Xavier. Le moi, plus grand. C'est mouillé, mon ventre, parce que ça. Ah, pas par le plus petit cette fois? Non. Xavier. Bon, on commence avec Xavier. Et alors après, on y va. Quoi, on se prépare, après, on met le casque sur la tête. Et on y va, c'est parti. J'ai plus de chances de me faire un Maman, et sa chance, elle se fait tout le temps avec la poussée. Je passe mon tour. Tu passes son tour? Il a trop de chance. Oh, il passe son tour. Non, pas moi. J'ai une grosse tête. Allez, à Corentin. Alors, attention. Un piqué? J'ai pas de chance. Un piqué. Alors? Non? Alors bien sûr, on va dans le sens des aiguilles du ventre, hein. C'est à Océane la plus petite, alors on y va. C'est parce qu'il y a moins que tu voles. Il y a que tu vois, là. Moi, je suis tout sec. Alors les loulous, peut-être vous allez entendre du vent, voir bouger la vidéo, mais on est dehors, donc forcément. Alors, pas mouillée? Non. Non? Oh. Attends, oui, elle est pas mouillée, elle est sec. Elle est sec. Bien sec. Mets le droit sur ta tête. Elle veut tourner la roue. Deux. Ah, c'est rare de tomber sur deux. Hein. Alors? Ça vient du dessus. Normalement que ça coule. Toujours rien sur la tête. Toujours rien. Ah, Xavier, attention. Attends. Si. Elle est sec. Et non, bah, si elle l'a mis à l'envers, c'est pour ça. Ça coule du dessus, là. Ça a coulé. Ça a coulé par terre. Mais non, ça coule là. Encore, je passe mon tour. Oh, mais il a vraiment de chance, Xavier. Mais il a trop la chance. Si je me fais arroser, bah, normalement, c'est elle. Non, je suis bon. Mais bien, restons sec. Ah oui. Je passe mon tour. Oh, mais c'est quoi ces garçons, alors? Les garçons, ils ne veulent pas jouer. Ah, c'est cool. Tu mets mais pas ça compte que dessus. Tu ne mets pas tout droit. Mais quand il en restera deux, ça va être dur de finir. Ah oui. Attention. Et une fois, il ne nous en restait plus qu'un. Mais la roulette. La roulette. Le tour de maman, ouais. La roulette. Ah, un pic. Un pic. Il en reste plus que trois. Allez, force. Alors? Non, rien. Suspense. Elena, il a sa chance. Imagine, c'est vrai, c'est Xavier. Ah ouais, ce serait marrant. Non, rien. Rien. Ça vient après, parfois. Non. Rien. Bah non, parce que sinon ça lui aurait tout dit. Suspense, il reste plus que deux pics. Non. J'espère que c'est Xavier. Ah oui, Xavier, fais deux. Il a pas vraiment tourné. Non. Pas vrai. Non. C'est mon premier que je tire. Alors là, c'est obligatoire que ce soit Corentin, à moins qu'il passe son tour. J'espère qu'il passe pas son tour. Un.
Hein, allez. Et... Sabrina, ça se peut pas que tu viennes. Allez, tire. Ah non, c'est pas possible. Et là ah. Heureusement que ça coûte sur le derrière. Hein. Et là, c'est la douche. Ah, ah, Corentin. Non. Ah, Corentin a perdu. Ouais, mais moi, c'est un jeu qui m'a rafraîchi. Ah oui, c'est sûr que ça t'a rafraîchi pour le coup, là. Et en vrai, normalement, c'est le perdant qui doit être gagnant. Oh les loulous, vous verrez un petit changement. En fait, Océane ne voulait plus jouer, donc Corentin a pris sa place, même s'il a perdu. Bon, on va dire en fait que bah, c'est Océane qui a perdu, tout simplement. Voilà. Alors, elle a préféré aller se rebaigner dans la piscine. Alors, avec qui on commence? Alors, avec toi, Elina? Oui, et après, ouais, ça, Xavier, dans le sens des aiguilles. Ok, après, ça, Xavier. Dernier. Allez, bon, on y va, tourne la petite roulette. Souvent, c'est le dernier qui ne part pas. Un. Imagine ouais. Le premier coup, comme ça, tu te fais rouler. Et j'aimerais bien qu'il fasse deux. Attention. On fait un. Un. J'espère que pour une fois les garçons ils vont jouer. Parce que c'est oui non, oui non, oui non. Un. Non, toujours rien. Toujours rien. Et là c'est Corentin qui va se refaire arroser, ce serait trop marrant dire. Non, oui. Même pas. Alors dites-moi dans les commentaires qui va gagner. Je passe mon tour. Tu passes ton tour. Ah bah c'était rapide ça au moins. Voilà. Dites-nous vos pronostics, hein, qui va gagner à votre avis. Alors, dites-nous le tiens. Oh bah, au lieu de faire tourner la roulette, elle avait tourné le plateau. Non. Moi, ce jeu, je perds tout le temps, par contre, les amis. Oh ouais, tout mais. Temps. Moi, tout je n'ai pas joué alors. Moi, je perds un autre jeu. Oh, ah, bah la casquette, elle te va pas alors. Un. André, des Playmobil. Des Playmobil. Alors, rien? Non. Non, rien. J'ai pas ouais. Que je vais passer mon tour, moi. J'ai pas envie. Ça, c'est un super jeu pour l'été. Hein. J'espère pas que tu vas faire. Alors dedans, on pourrait faire aussi un petit challenge avec du ketchup, ça pourrait être sympa. Mais nous, on en a du ketchup. Tu peux le faire alors? Ça va couler. Nous, on en a du ketchup. Ouais, peut-être qu'on va peut-être pas tenter ça aujourd'hui, je sais pas, on verra. Toujours fait. Faut qu'on fasse des tests d'abord à la maison, voir si ça fonctionne. Parce que ah oui, parce qu'à mon avis, le ketchup, et ça va pas couler. Comme deux à 16 moutards. Je passe mon tour. Oh mais qu'est-ce que ça passe son tour là, c'est pas marrant ça. De l'huile d'olive, voilà. De l'huile d'olive, ah ouais ça pourrait être marrant. On en a, tu veux que j'aille le chercher? Du Coca-Cola. Bon on va rester à l'eau pour aujourd'hui hein les loulous. Hein. C'est quoi ça? Le bleu c'est reverse order. Ça veut dire qu'on inverse le sens. C'est... Donc c'est re-Elina. En fait tu joues pas, c'est comme si tu passais son tour. En fait, ça va faire lui. Non, t'as joué trois fois. La première fois, c'était là. T'as fait un truc. Ketchup. Non. T'as le droit, t'as le droit. C'est qui bon. Non, c'est Xavier. Mais non, parce que maintenant, c'est lui le premier. Non, il change les tours. Oui, c'est à qui? Ben, c'est à toi. Ah. Eh ouais, il faut bien que tu joues un peu aussi. Hein. Je passe mon tour. Comme j'ai tiré 15 déchets et j'ai tiré que ça depuis le début alors que vous trois. Alors moi j'ai corsé un peu les choses, attention. Il passe mon tour. Ah non, elle mélange. Bon, mais moi je passe c'est mon tour. Mon avis, elle va prendre la bonne. Ça change en rien, hein. C'est toujours le même, mais juste que j'ai changé parce qu'ils ont des repères peut-être. Je sais pas. Alors rien. Rien. Mais c'est pas possible que ce soit à chaque fois le dernier. Alors là, c'est encore à Corentin. À moins qu'il fasse un passe sur mon tour. Ouais, oui, un échange de tours. Ah, attention. Suspense. Un tour. Attendez, cette fois, je. Et qui veut plus jouer? Ah. Qui veut plus jouer? Moi, je veux jouer. Ah, Corentin, t'as perdu. Bah oui. Ah. Jusqu'à la dernière route. Alors, 0-3.
y est, ça se joue entre frères et sœurs. Alors attention, alors qui commence donc? Moi. Xavier, alors on y va. Haha, alors moi, je parierai sur... Je sais pas en fait, je sais pas. Un pic. Je parierai sur un pic, voilà. Alors ensuite... Aurélina. Oh oh, Aurélina casse tout hein, depuis tout à l'heure. C'est un violet. Un violet? Tu en tires un et après tu rejoues. Oh oh oh! T'as envie de perdre en fait. Allez, rejoue. Si, tu rejoues. Et un autre. Allez. Rien. Rien? Elle est pas sûre, elle a. Ah ben, j'en tire un et je rejoue. Revanche! Là, tu vas encore jouer? Tu veux perdre? Compte! Voilà, on a vu Corentin arriver, ah bah, arroser et partir. Non, non, il revient. Moi, je alors, à toi. Vous aviez oui ou non? Non. Non. Enfin, ah, on peut pas savoir, mais il est rempli. C'est ce qu'on fait. La preuve. Un. J'adore ce suspense, son rien. Regard. Son Xavier. Regard et se dire, est-ce que j'ai de l'eau qui coule ou pas? Xavier. Ah non, il y a Océane qui arrive, attention derrière vous, attention. Il y a sa fille qui perd. Elle est arrivée. Arrêtez. Ça se transforme en bataille. Oui. Dans la revanche. Alors maintenant, on reprend, donc après toutes ces péripéties, tout le monde s'est fait arroser, tout le monde est reparti, tout le monde, voilà, ils se sont bien battus. Donc maintenant, on retourne à la fin du jeu, parce qu'il ne reste plus que deux pics, les amis. Alors on y va, c'était à Xavier, je crois. Moi. C'est ça? Ouais. Bon. Ça, c'est un verre qui est tombé. C'est pas un verre en bâton. Attention, alors 3, 2, 1. Et là? Rien. Non, c'est pas vrai. Alors, Aélina, attention. À moins que tu fasses pas ton tour. Bah, je passerai jamais. Ah, c'est quand même arrosé, hein. Ah, attention. Oh, tu le gardes sur ta tête, parce qu'attends qu'il est fini. Oh, ça y est. Ouais. C'est pas du jeu. On vous a perdu. J'ai gagné. T'as gagné, ouais. Xavier, grand gagnant, c'est Xavier qui a gagné. Bravo. Pouce bleu pour Xavier. Pouce bleu. Ah, ben tout le monde est parti à la piscine maintenant. Bon, allez, go la piscine, yo! Alors les loulous, cette vidéo est terminée. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré, le challenge avec le ballon ou avec le casque? Le ballon. Le ballon et les filles? Le casque. Ah ouais. Bah oui, c'était forcément beaucoup plus dur pour les filles, mais bon, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Le principal, c'est de... Participer. Surtout de s'amuser, on va dire. On va dire qu'on a tous gagné aux deux. Ouais, vous avez tous gagné aux deux. Ouais, vous avez super bien, vous êtes super bien débrouillés, les filles. C'est sûr que c'était plus dur pour vous, Xavier est plus grand. Et puis, vous avez eu beaucoup de chance avec le vent, hein, on va dire. Hein. Alors les loulous, comme je vous disais, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors on va se quitter. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire où? Dans les commentaires. Ah bah oui, dans les commentaires. Dites-nous quel a été votre passage préféré. Si vous aussi, vous avez un ballon géant chez vous ou le même jeu de société que Corentin d'ailleurs, qu'il avait eu dans son swap. Si vous voulez aller voir le swap dans lequel Corentin a eu le jeu, c'est où? Le petit en haut à droite, eh oui. Alors les loulous, donc c'est déjà donc la fin de cette vidéo. Ça fait déjà 3 fois que je le dis quand même. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, vous faites les gros bisous les amis. Ciao ciao. Gros bisous à Xavier et à Elina. Gros bisous. Mouah. Bisous.